Quelqu'un me disait un jour que pourquoi ce sont les enfants du riche là, beaucoup qui sont gâtés, qui sont des fumeurs, des drogues, souvent même qui induisent en erreur les enfants des pauvres, qui ne sont pas trop ça. Parce que moi, personne ne peut m'induire en erreur. J'ai dit, je ne sais pas, mais quand moi, Dieu va me donner peut-être la richesse, une voiture, si lundi mardi, je vais déposer mes enfants à l'école, mercredi, jeudi, ils vont marcher pour aller à l'école. Et le vendredi soir, je viendrai les chercher. Si tu habitues ton enfant à un niveau de luxe, ton enfant sera gâté. Si tu habitues ton enfant hein, à la satiabilité, c'est-à-dire qu'il et voilà, il est plein, il est aux astres, mais ton enfant ne va jamais savoir c'est quoi la souffrance. Donc le jour que tu seras plus là, l'enfant ne peut qu'être gâté. Le même quand tu es là, l'enfant ne va jamais accepter tout ce qui est faible. Il va vouloir toucher à tout ce qui est fort. C'est là qu'ils vont fumer la drogue. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais mets en commentaire si j'avais raison ou pas. Ou plutôt donne ton avis en commentaire, ça peut aider quelqu'un. On peut s'abonner maintenant là.